jour, les cyclistes sont l'oxygène de la ville. Dans une ville assiégée de divers polluants, votre choix permet à vos concitoyens de respirer. Ces ballons sont là pour symboliser ce choix, symboliser ce cadeau que vous faites à vos concitoyens. Vous leur offrez de l'air pur et propre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avec un groupe de cyclistes qui se réunissent par ailleurs tous les mois sous le nom de Masse Critique, faire un tour dans les rues de Bruxelles pour distribuer aux passants des ballons bleus marqués d'un logo O2, le O étant une roue de vélo, pour rappeler ou faire prendre conscience que le vélo est le seul moyen de déplacement à Bruxelles qui soit vraiment non polluant. Le vélo, c'est à la portée de tout le monde, c'est facile, c'est agréable, c'est efficace pour les déplacements en ville, surtout les courts déplacements, et c'est très agréable quand il fait beau et un peu moins agréable quand il pleut. Bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. On part tous ensemble pour avoir l'effet visuel et on va ensuite les distribuer aux gens pour symboliser que le cycliste quotidien distribue chaque jour un bol d'air aux Bruxellois en roulant son vélo. On va distribuer les ballons aux enfants et aux gens qui en veulent. Voilà, de l'air pur, on veut de l'eau, de l'air pur, je suis d'accord, pas de pollution. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire.